J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 11 juillet et je suis enfin en vacances. Je suis en vacances depuis le 7, depuis vendredi. Mais pour moi, le week-end, ça ne compte pas comme des vacances. Même si j'avais dû retourner au travail, ben, j'aurais quand même eu mon samedi et mon dimanche. Donc à partir pour moi de lundi, j'ai été hier, donc officiellement en vacances. Donc voilà, une année qui se termine. Ça me fait bizarre, ça me fait toujours bizarre quand les années se terminent. Et puis voilà, on va enfin entamer ces grandes vacances et ça fait énormément de bien. Je ne descends pas encore chez mes parents pour le moment. Tout simplement parce que ma petite sœur vient, on sera toutes les trois réunies sur Paris, donc ça c'est cool. Parce que nous avons samedi soir le concert des Blackpink. J'espère qu'il ne sera pas annulé celui-là, parce que ça fait trois concerts auxquels je tente d'aller. Deux concerts jusqu'ici annulés. J'avais le concert de Stromae, donc il est tombé malade et voilà, du coup, concert annulé, on a été remboursé. Je devais aller au concert de Mylène Farmer, mes parents étaient montés exprès, mais voilà, avec les émeutes et voilà, et tout ça, ben, les concerts ont été annulés et je crois reportés en 2024. Mais j'espère que celui des Blackpink sera bien maintenu samedi soir. Après, j'ai un rendez-vous médical lundi. Donc je pense que si je descends chez mes parents, ce sera peut-être soit lundi fin de journée, puisque j'ai un rendez-vous le matin, soit je me repose encore un petit peu le lundi, parce que je pense que ce sera un rendez-vous qui sera assez éprouvant selon les résultats. Et je descendrai peut-être mardi à ce moment-là. Et voilà, et en parlant de résultats, de médecins et tout, voilà, de fil en aiguille, je vous parle parce que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé, que je ne sais plus où j'en suis. J'ai pas pu faire la kitchen detox comme je le voulais et comme je le souhaitais, c'est-à-dire avec uniquement les jus de fruits, les petits encas sur 3 jours uniquement. Mon médecin me l'a déconseillé, donc voilà, il m'a dit qu'il fallait vraiment que je mange. Ça n'empêchait pas de pouvoir en fait en boire dans la journée, mais qu'il fallait quand même que je garde des doses de repas. J'ai été déconseillée. Tout simplement. J'ai demandé un avis médical avant de commencer ne serait-ce qu'un régime, qu'une version détox de quelque chose, du sport en particulier. Voilà, de toujours demander un avis médical, et c'est vrai qu'on pense pas forcément à le faire. Je vous avais dit que vous pouviez demander des conseils. Il y a une diététicienne sur le site de Kitchen Detox, mais je pense qu'un avis médical c'est toujours mieux, et là dans mon état à l'heure actuelle, dont je vous parlerai plus en détail peut-être, mais plus tard, pas maintenant, je ne pouvais pas le faire, tout simplement. Donc voilà, on va passer une petite journée tranquille aujourd'hui. J'avais envie de me rendre à la maison Victor Hugo et je voulais vous la montrer, mais je devais voir une copine et je m'étais dit qu'une fois qu'on aurait terminé, ou soit avant ou soit après, finalement je vous embarquerai avec moi, bah, déjà au déjeuner avec elle et ensuite à la maison Victor Hugo. Mais finalement on a décalé le rendez-vous à demain, donc aujourd'hui je me suis dit que ce serait une petite journée tranquille à la maison, et la maison Victor Hugo je la ferai peut-être demain ou après-demain, ou peut-être avec ma petite soeur, je sais pas, on verra. Vous pouvez constater derrière moi que mon lit n'est pas fait, j'allais changer les draps et je me suis rappelé que j'avais reçu un colis. Donc c'est un colis que j'ai reçu gratuitement. Alors je sais que maintenant il faut bien le préciser, j'avais quand même l'impression de bien le faire avant, mais c'est pas grave, on va le refaire. Donc je l'ai reçu gratuitement, c'est un cadeau que j'ai accepté, mais je ne suis pas payée, ce n'est pas un partenariat rémunéré. Du coup on peut dire peut-être collaboration, on peut dire ça comme ça. Donc je l'ai choisi, j'avais plusieurs couleurs mais je l'ai choisi rose. Et je pense que ça vient de mon vlog précédent, je crois que c'est le précédent ou celui d'avant, où je vous disais que si j'avais un aspirateur à acarien, j'aurais moins de mal à laisser mon lit en fait à l'air libre et à ne pas avoir finalement deux jeux de draps, vous vous rappelez, pour pouvoir en fait ben, tout simplement le couvrir, parce que j'aime pas le laisser comme ça à l'air libre et j'aime bien du coup ben, changer directement de drap, et que je me sens pas non plus de prendre mon aspirateur avec lequel j'aspire le sol pour le mettre sur mon matelas. Et je pense du coup que Smarrock a dû soit voir la vidéo, soit leur équipe, ou etc. Et du coup ils m'ont proposé de recevoir le S10, donc leur aspirateur à acarien, leur aspirateur du coup à matelas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par
l'ouvrir ensemble. Donc du coup, je suis très contente. Déjà, il est super léger. Je suis très contente qu'il me l'ait proposé parce que c'était, je vous en ai parlé en fait. Je vous disais, ce serait chouette. Vous croyez que si je demande une voiture, on va me... Je ne pense pas. Hein. Déjà, c'est pas mal bien emballé puisque j'ai un carton dans un carton. Il n'est pas hyper cher. Il est à 95 euros. Il est en solde en ce moment. Donc voilà, je vous mettrai quand même le lien sous la vidéo. Donc c'est le SmartRock S10 aspirateur matelas anti-acarien, aspirateur matelas à main, 500 watts avec lumière UVC, fonction ultrason spéciale allergie et élimine 99% des allergènes pour matelas, canapé, textile et lit. Ah mais ça veut dire que je peux le passer du coup sur les rideaux. Je vais retirer les draps et on va aspirer tranquillement. En tout cas, oui, il est léger et la corde, elle est super longue. Donc, bon, après, moi, j'ai une prise juste ici. Mon lit est juste là. Enfin, vous savez, ma chambre, elle n'est pas très grande. Mais du coup, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je suis contente. Je sais pas si je verrai vraiment la différence, mais je suis contente. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai aspiré plein de choses là à l'intérieur. Je pense que vous verrez, mais c'est fou en fait parce que j'ai juste fait le matelas et les coussins uniquement, et en fait c'est super facile pour le sortir. Et je suppose qu'il suffit d'appuyer là, voilà, pour pouvoir le vider tout simplement. Je vais essayer de faire attention, mais c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Et j'ai envie de dire, mais ça sort d'où? Et en fait ça veut dire que je dors sur ça en fait. C'est horrible. Je sais pas tous les combien il faut le faire, mais je pense qu'à chaque fois que je changerai les draps, en fait, ben, j'en profiterai pour passer un petit coup. Du coup, je suis super contente parce que je pensais pas en fait que j'allais voir une différence, en tout cas, mais je pensais vraiment pas que je dormais sur autant de poussière. Après, bon, il est hyper simple d'utilisation, hein, c'est comme tout, ici on tourne, on récupère l'endroit qui roule pour pouvoir le nettoyer. Hyper simple, super léger, je suis super contente. En tout cas, SmartRock, merci beaucoup, parce que ça, je vais véritablement m'en servir. J'ai décidé d'accrocher mes tableaux cet après-midi parce que ça fait un moment qu'ils sont là. J'ai acheté des scratchs, mais cette fois-ci je les ai pris sur Amazon. En fait c'était beaucoup plus rentable. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et ce qu'il y avait à l'intérieur aussi, c'est un petit niveau comme ça, donc ça me permet en tout cas de pouvoir mettre les cadres droits. Ça ne veut pas dire qu'ils seront à égale distance, mais au moins ils seront droits. Quant à ces cadres-là, ces tableaux, pardon, c'est pas vraiment des cadres, mais les tableaux qui sont là et que j'avais fait, vous savez, avec l'enduit et tout, je me demande si je les mets dans le salon ou si je ne vais pas les mettre plutôt dans la chambre. En fait, j'en sais rien. Et les tableaux classiques, comme ça, les cadres qui ressemblent à ça,
Je pense les mettre dans le salon. Maintenant, est-ce que je les mets au-dessus du canapé ou au-dessus de la télévision? J'ai peur que ça fasse charger avec la télévision. Je vais peut-être les mettre au-dessus du canapé. Et voilà, sachant que j'ai ce cadre-là qui est un petit peu différent des autres. Parce que moi, tous mes cadres, je les avais pris chez Leroy Merlin. Donc, je vais vous montrer par exemple celui-ci. J'avais acheté les affiches à part et ça c'est les cadres de chez Leroy Merlin. On est, je sais pas si vous verrez, mais on est sur un cadre un petit peu brillant et lisse, complètement lisse comme ça. Et assez lourd aussi. Il me semble que je les avais payés chacun une vingtaine d'euros. Et là pour 5 euros, j'ai trouvé celui-ci ben, chez Action, beaucoup plus léger. Donc c'est beaucoup plus rassurant lorsque vous utilisez comme moi les scratchs. Le fait qu'il soit léger, c'est plus sympa. Et en plus, bon là c'est à rayures, donc il est quand même assez différent. Mais une chose qui est vraiment pas mal, et si j'avais su, ben, j'aurais tout pris chez Action, c'est que derrière il est un peu plus large. Donc vous avez une plus grande marge de manœuvre pour mettre vos scratchs derrière, comparé à ceux de Leroy Merlin. Je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Vous voyez, celui-ci, c'est celui d'Action. Et derrière, c'est plus épais, c'est plus large que ceux de Leroy Merlin. Donc, beaucoup mieux pour mettre les scratchs. Quant à mes grands tableaux, ouais, je pense que je vais les mettre dans la chambre. Parce qu'à chaque fois, je délaisse un petit peu la chambre. Et je me dis que des petits tableaux, ça pourrait être sympa. Le problème, c'est que c'est vraiment dans le passage. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je vais pas les accrocher pour l'instant. Je vais attendre un petit peu d'être sûre de moi. J'ai fait mon petit dispatch. Il ne me reste que deux scratchs à utiliser. Donc c'est sûr et certain, les vrais tableaux, enfin ceux que j'ai fait moi-même, je ne pourrais pas les accrocher. En revanche, sur les grands tableaux comme ça, j'en mets toujours quatre. Sur ce tableau-là, donc c'est celui d'Action. Comme il est léger, je ne vais pouvoir en mettre que trois. Et sur les petits, j'en mets qu'un seul. Hop. Deux sur les tailles moyennes. Celui-là, il en a un autre parce qu'il me restait un scratch qui a l'air de coller encore un petit peu. Donc voilà, je le laisse. C'est le seul qui en aura deux. Mais voilà, vraiment, les petits, c'est un. Les moyens, j'en mets trois. Ce qu'il y a de bien avec cette pochette-là que j'ai trouvée donc sur Amazon, c'est qu'ici, vous avez un exemple, en fait. Vous voyez, vous avez un côté femelle, un côté mâle. Vous les mettez l'un sur l'autre. Vous détachez la partie collante de chaque côté. Et vous collez votre tableau comme ça au mur. Et honnêtement, moi, je n'ai jamais eu de chute de tableau. Sauf quand les murs n'étaient pas droits et que du coup, ça avait du mal à adhérer. Mais sinon, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de soucis. Donc là, j'ai scotché les mâles et les femelles ensemble. Hop, je les détache parce qu'ils arrivent attachés. Et je décolle d'un côté, je décolle de l'autre. En général, je suis le long du... Ah, j'ai mis un morceau de vernis dessus. Ça colle tellement que ça m'a arraché le vernis. Donc hop, je fais ça. Hop, j'en mets un autre également sur le côté. Hop, j'appuie même si je le ferai directement sur le mur. Et j'en mets un autre en bas. Et c'est tout. Donc je prépare tous mes tableaux. Et ensuite, je les accrocherai. Et une fois qu'on a décollé sur le mur, ça n'arrache pas la peinture non plus. Si vous le décollez bien, si vous suivez bien le sens des flèches ici pour pouvoir le retirer. Vous avez des petites flèches qui vous disent en fait comment le retirer. Thank you.
super contente. Je viens de recevoir ce que j'ai commandé sur Amazon. Je l'ai commandé la semaine dernière. Et en fait, c'est pas un kit, parce que kit, c'est un grand mot, mais c'est de quoi faire une manucure glazed. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est ou si vous l'avez vu passer. Je vais vous montrer une photo issue du Elle Magazine. C'est une manucure, en fait, comme ça, avec un espèce d'effet miroir un peu glaçon comme ça, clean pour l'été. Ça s'appelle le Glazed Donut Nails. Je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à reproduire ça pour l'été, c'est juste canon. C'est propre, c'est frais, etc. Et je me suis dit, ben, ça ira avec tous les looks. Et j'ai finalement réussi à trouver. Et je n'avais pas en fait ce qu'il fallait dans ma boîte à manucure. Ce qui avait bien, c'est que j'avais au moins la machine à UV, donc ça va nous être nécessaire. J'ai la base, donc toujours de chez Manucuriste, et le top coat de chez Manucuriste, mais je n'avais pas la couleur qu'il y a en dessous. Et en fait, on peut choisir entre le rosé ou le blanc. Donc du coup, j'ai commandé un petit set à manucure rosé ou blanc, vraiment, pour avoir vraiment les ongles ultra clean, ultra propre, etc. avec un dégradé de couleur. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc, j'ai pris sur Amazon, hein, c'est la marque Gel Polish by V-Shine. Donc je ne connais pas du tout. Hein. J'ai juste voilà, recherché manucure glazed et voilà ce sur quoi je suis tombée, entre autres choses. D'autant plus que voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, vous avez différentes couleurs ultra nude à l'intérieur, donc je pense que je vais tenter la couleur là, la plus rosée, et la petite poudre qui permet cet effet miroir. Donc j'ai regardé plusieurs tutos, il y en a qui le font avec les doigts et il y en a qui le font avec les petites éponges, et je me suis dit qu'avec les petites éponges c'était peut-être plus simple. Donc voilà la petite poudre, celle-ci elle est blanche et celle-ci elle tire un petit peu vers le champagne. Peut-être que quand je me mets comme ça, voilà, vous arriverez à voir. J'espère que ça va fonctionner, croisez les doigts pour moi. Parce que la petite poudre, en fait, c'est vraiment une poudre un peu comme un fard à paupières. Vous mettez en fait votre éponge et vous venez l'appliquer sur vos doigts. Donc si j'ai bien compris, vous mettez votre base pour commencer, donc le numéro 1, la base. Ensuite, vous mettez votre rose, donc la couleur que vous avez envie d'appliquer sur vos ongles. Ensuite, vous mettez le top et entre chaque, vous catalysez à chaque fois. Une fois que vous avez mis toutes vos étapes, vous venez appliquer en fait sur vos ongles la partie glace, donc du coup cette partie un petit peu effet glaçon, glacé, effet miroir. Et ensuite, vous mettez directement encore une couche de top et vous mettez à catalyser. Et ça devrait être bon, normalement. Donc j'espère que ça va fonctionner. On teste ça ensemble tout de suite. Et franchement, croisez vraiment les doigts pour moi parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Ah oui, et une chose, c'est que si vous mettez beaucoup, beaucoup de poudre, vous aurez un véritable effet miroir, miroir. Voilà, ça c'est l'effet que je ne souhaite pas. Je veux pas un véritable effet miroir. Donc je vais en mettre un petit peu pour avoir un effet légèrement glacé en fait. Donc c'est parti. Je suis super contente, c'est-à-dire que j'ai l'effet escompté. Bon, c'est pas parfait, hein. Je pense que vous verrez bien que voilà, il y a des zones où j'ai débordé un petit peu partout sur les cuticules, mais grosso modo, je vais aller nettoyer un petit peu tout ça, hein. Je suis super contente. En fait, ça fait réellement l'effet escompté. Le souci, et c'est ce que j'avais lu, c'est qu'il faut vraiment bien étaler de manière homogène. Et effectivement, il y a des endroits où on voit vraiment les traces de passage du pinceau. Et c'est peut-être pour ça que dans un des tutos, la nénette appliquait vraiment au doigt en fait.
ce qui permettait peut-être que ben, qu'on ressente peut-être un petit peu mieux en dessous et que ça permette de vraiment bien lisser. Donc la prochaine fois, je testerai la couleur un petit peu plus jaune. D'ailleurs, si vous prenez le même kit, j'ai appliqué le M9, donc la couleur un peu plus blanche, et je testerai le M1 qui est un petit peu plus jaune et peut-être avec cette fois-ci une base plutôt blanche. Voilà, histoire de trouver en fait finalement le bon combo. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, une fois que ce sera bien nettoyé, ça fait vraiment ongles très 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 propre. Et effectivement, plus on en met, plus ça fait cet effet ultra miroir sur la pose. Et si j'en avais mis plus, ben ça aurait foncé. Et je le vois sur certains doigts qui sont un peu plus transparents. J'ai été plus soft sur cette main-ci qui est globalement plus claire que celle-là. Mais franchement, c'est très 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 joli. Et c'est pas comme un effet paillette ou métallique. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si c'était un peu en transparence à l'intérieur. Mais c'est super propre. Je pense que c'est la manucure que je vais faire tout l'été. Voilà. En fait, aujourd'hui, ça aura été une journée avec moi. Voilà. Sauf que j'ai pas prévu de sortir. Enfin, j'avais prévu de sortir, comme je vous disais. Mais ce sera plutôt demain. Moi, mon médecin, il m'a dit, vous vous reposez et vous vous détendez. Donc voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et il me faut beaucoup de temps pour redescendre. Et je sais pas si vous vous souvenez, ben, l'année dernière, le 1er août, j'avais commencé à attraper un pityriasis rosé de gibert à cause du stress de la rentrée le 1er août. Donc j'ai décidé que cette année j'allais pas refaire la même chose, que je n'allais pas voilà, me choper un pityriasis géant sous prétexte que je stresse. Non, ça ne sera pas cette année. Donc voilà, je prends chaque journée extrêmement tranquillement, je prends le temps de faire ces choses que j'ai jamais le temps de faire. Vous savez, toutes ces petites choses que vous vous dites plus tard, plus tard, plus tard, arrivent les vacances et vous avez mille autres choses à faire. Et là, j'ai décidé que j'allais prendre le temps, voilà, de faire tout ce que j'avais prévu de faire. Ah, et d'ailleurs, ben attendez, je vais vous montrer les toilettes. J'ai commencé à ranger, j'ai pas fini. Je l'ai fait hors caméra, tout simplement parce que, en fait, avec caméra, ça prend un temps qui est trop long. Je l'ai fait toute seule. Hop, il faut que je prenne le temps de descendre les cartons. Mais vous savez où est-ce que je dois les descendre? La poubelle, en fait, elle est tout en bas, dans le sous-sol, dans le garage, en fait. Il faut que je descende, que je passe la partie cave, que je descende au moins deux au niveau du sous-sol. Et franchement, j'ai la flemme. Pas maintenant. Ici, c'est toute la partie cheveux qui est juste là avec les derniers produits. Donc, je les ai bien mis devant. Les Guizou, les Olaplex et les Rawa. Et du coup, je suis super contente parce que je vais pouvoir voilà, les tester. Ils sont rangés tous ensemble. Là-bas, vous avez tous les nettoyants, toutes les essences et les eaux. Ici, tout ce qu'il faut pour les lèvres, hydratation. Pour les lèvres, derrière, c'est tout ce qui est gel hydroalcoolique, gel pour les mains. Là-bas, vous avez les parfums. Ici, les crèmes pour le visage. J'ai reçu en plus toute la routine Filorga. J'ai pas eu le temps encore de la commencer, mais j'avais participé à une soirée Filorga et en fait j'ai toute la routine en fonction en fait de ma peau, donc du coup c'est super. Donc elle, il faut que je la commence. Là, ici vous avez tout le maquillage, mais c'est rangé par pochette. Ici ce sont tous les anti-cernes. Ici vous avez tout ce qui est liner et mascara. Je crois que vous voyez plus rien. Enfin bref, blush, etc. Tout au fond, les sérums, là, les rouges à lèvres, les masques, crème de nuit, donc tout ce qui est pour la nuit. Ici, vous avez des pinceaux. Regardez comme ils sont chouettes, ceux-là, ils sont trop trop beaux. Ce sont les pinceaux Real Technique, qui sont twistés. Je sais pas si vous voyez ici, mais le bois est twisté, c'est magnifique. Ici, c'est les produits spécifiques imperfection, tout ce qui est pour les yeux, les contours des yeux. Là, vous avez les fonds de teint et en bas, ben, c'est la zone que je n'ai pas encore rangé, voilà, et qu'il va falloir que je range. Donc il y a plein de choses qui vont au-dessus. Et dans la salle de bain, j'ai mis tout ce qui était gommage et crème pour le corps et gel douche. Voilà, et puis pour tout le reste, bah, il va falloir que je range tout ça et on aura terminé. J'ai hâte, je suis super contente et je suis d'autant plus contente que vraiment c'est rangé et que je sais ce que j'ai. Celui-ci, j'ai son doublon dans mon sac à main tout le temps, tout le temps, tout le temps.
il fait une chaleur. Et je vous avoue, j'ai hâte de terminer de filmer cette séquence juste pour baisser les stores. Donc dans la chambre, c'est déjà fait. Une fois que j'ai fini de filmer là-bas, j'avais déjà baissé mes stores. Il y a ça d'ouvert pour que l'air circule. Il y a un tout petit peu de vent, mais il fait une chaleur aujourd'hui. Et je suis contente qu'on perde 5 degrés entre aujourd'hui et demain, enfin, et la fin de la semaine, même pas que demain. Parce que c'est trop, en fait, c'est trop. Bref, je voulais vous faire un petit haul des dernières choses que j'ai achetées et que j'ai reçues. Donc, dans les achats, j'ai racheté des assiettes. Cette fois-ci, je les ai pris chez Zara Home. Donc, ce sont des assiettes qui sont en porcelaine et qui vont dans le micro-ondes et qui sont très grandes. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à voir, assez rondes, assez plates. Je vais essayer de vous retrouver le lien, mais je les trouve magnifiques. Vous voyez le petit détail ici, beige un petit peu plus foncé. Il y a des petits points beige, je pense que là vous les verrez, beige foncé à l'intérieur. C'est magnifique. Voilà, et j'en ai pris deux parce que j'en avais déjà deux noires de chez Monoprix, grandes comme ça aussi. Et je m'étais dit que pour compléter c'était plus simple. Ensuite, toujours chez Zara Home, vous savez, j'avais les verres avec les traits comme ça dessus. Ça a été une grande mode pendant un petit moment et j'avais craqué. J'en avais acheté il y a 3 ans de ça, je crois. Magnifique, hein. Ils sont super beaux. J'avais pris les grands et j'avais pris aussi les petits. Et dans les grands, j'en ai cassé un avant le déménagement. Et là, j'en ai recassé un autre de la même manière. Donc sur les 4, il ne m'en reste plus que 2. Après, j'ai les 4 petits toujours. Mais le verre, en fait, est extrêmement fin. Donc j'ai dû racheter des verres. Et j'ai pris ceux-là aussi chez Zara Home. En fait, il n'est pas droit du tout. Je trouve ça magnifique. C'est tout doux, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, il a cet effet un petit peu bosselé et morcelé de partout. Je le trouve superbe. Je les ai pris par 4. Vous pouvez les acheter par le nombre que vous voulez parce qu'ils sont vendus à l'unité, je crois. 4 euros et quelques. Alors oui, c'est un petit peu cher pour un verre, surtout si vous avez l'habitude de les prendre chez Ikea, mais pour avoir eu des verres Ikea, en termes de design, il n'y a pas énormément de choix, surtout si vous voulez de la belle vaisselle. Et là où on trouve vraiment de la belle vaisselle, selon moi, dans des prix qui restent corrects, c'est HM Home et Zara Home. Voilà, pour des prix, comme je vous ai dit, vraiment corrects. Après, vous avez beaucoup plus cher comme IMPM qui sont magnifiques, hein, les verres que j'avais, mais extrêmement fins. Voilà pour les deux achats achetés. Là, ce que je vais vous présenter, je les ai reçus. Ce ne sont pas des partenariats, je ne suis pas payée pour vous en parler. Je les ai reçus et j'avais tout simplement envie, ben, tout simplement de vous les présenter. Donc on a de chez Dr Renaud le soin corps Monoï. Alors ça, c'est mon grand bonheur. Et en plus, c'est une huile pailletée pour le corps. Donc je m'étais dit que cet été, ça allait être un peu différent, que j'allais vraiment oser beaucoup plus. Ça sent divinement bon. Oser beaucoup plus. Vous ne le verrez peut-être pas, mais il y a de jolies petites paillettes à l'intérieur. C'est très très beau sur la peau, sur les bras. C'est assez discret. Si vous n'aimez pas tout ce qui est très 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 pailleté, vous l'aimerez, j'en suis certaine. C'est pas comme le Diamonds de chez Fenty Beauty, vous savez, je vous l'avais présenté, vous le mettez là et ça se voit directement. Là, c'est très nuancé, c'est en délicatesse, ça sent divinement bon. Encore une fois, forcément le Monoï, ça sent toujours très très bon. Et vous avez des petites paillettes par-ci, par-là, clairsemées, magnifiques. Et je suis sûre qu'au soleil, ça doit être encore plus beau. Donc voilà comment se présente la bouteille. J'étais très contente de la recevoir. En fait, on m'a proposé, j'ai dit ah oui, oui, oui. Cette fois-ci, cette année, j'ai vraiment envie d'oser. Ensuite, de la part de Clarins, donc j'ai été à l'événement Clarins. Alors dites-moi d'ailleurs, les filles, si vous préférez que lorsque je vais à un événement, je filme en vlog et que je vous explique ce qui se passe en direct, en live, pendant le vlog et pendant la soirée, ou si vous préférez comme là que je vous intègre des images, parce qu'en général j'ai tendance à les poster sur Instagram et je vous récupère les stories pour vous en parler aussi ici, plutôt que de me dire qu'est-ce que je mets en story, qu'est-ce que je mets sur YouTube. C'est pour moi plus simple comme ça, mais si vous préférez véritablement vivre la soirée, vous êtes prioritaire YouTube sur Instagram, de toute manière, puisque YouTube, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Donc, c'est vous qui me dites et moi, je m'adapte. Donc, est-ce que vous préférez que je vous filme en plein les événements directement avec ma caméra pendant la soirée, directement
pour YouTube ou est-ce que je vous incorpore et je vous raconte juste voilà, ce qu'il y a. Donc là, pour Clarins, c'était le moment des nouveautés. Donc le nouveau masque pour le visage, la collection d'essence jeunesse avec le petit prince, etc. C'était vraiment une super soirée. Il y avait plein d'ateliers à faire. Et par exemple, pour le sérum teinté, une fois que vous aviez fini l'atelier, que vous aviez cherché la couleur qui vous convient, ben vous pouviez aller chercher la couleur qui vous convient et vous repartiez avec. Et ça, c'est vraiment bien parce que souvent, on se retrouve avec dans un sac une, deux, trois couleurs qui peuvent nous correspondre mais qui ne nous correspondent pas forcément. Donc moi, j'ai réussi à trouver ma teinte d'été. J'hésitais entre deux teintes, mais j'ai légèrement bronzé, donc c'était réglé. Et à la fin, il y avait une pêche au canard. Et c'est marrant parce que l'événement avait lieu jeudi et moi, j'avais fait la kermesse mardi. Donc du coup, c'était assez rigolo de retrouver finalement la pêche au canard. Donc on a reçu l'émulsion fermeté anti-rides, un fard à paupières poudre et c'est la teinte numéro 3, le sérum teinté en teinte numéro 8 pour moi. Attention, ne vous fiez pas à l'emballage, il faut vraiment se fier à la couleur qu'il y a à l'intérieur qui n'est pas vraiment la même. En ce qui concerne les ombres à paupières, vous aviez un pad de 4 nouvelles couleurs, donc c'est la palette numéro 9, la Onyx Gradation. Le fameux masque dont je vous parlais avec un effet lift immédiat, fermeté et éclat qui est la grande nouveauté de chez Clarins. L'essence de jeunesse revitalisante Le Petit Prince dont en fait les bénéfices sont en partie reversés à l'association. Donc c'est vraiment pour combattre les premiers signes de l'âge. Et la toute petite crème jour vitaminée, donc éclat, fermeté, anti-ride que j'ai reçue du coup à la pêche au canard. C'était vraiment une petite soirée assez sympathique. Et alors, avant-dernier colis que j'ai reçu, donc produit reçu, ça c'est de la part de Foreo qui m'a demandé si j'étais d'accord de recevoir en fait leur tout dernier produit, donc c'est le Bear. Je pense que vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. C'est une petite machine qui va venir raffermir l'ovale de votre visage, qui va venir tonifier également, donc travailler sur l'élasticité, atténuer l'apparence des rides, des ridules, redessiner le contour du visage en seulement 2 minutes. Donc on applique le sérum et on commence le traitement en appuyant juste sur le petit bouton et en étant en fait assez régulier dans l'utilisation, en fait, on verra les effets en quelques semaines. Donc, il me tarde vraiment d'essayer. Ils m'ont même mis un petit bandeau comme ça en satin pour la nuit. Donc, c'est vraiment adorable. J'ai le sérum ainsi que la crème hydratante qui raffermit et qui lisse à poser juste après. Et évidemment, on met le sérum sur soi. On utilise la machine, on met la crème ensuite et le tour est joué, on passe une super bonne nuit. Et je sais pas ce que vous en pensez, regardez, on dirait pas une petite grenouille. Il est trop mignon. Et pour finir, petite pièce que j'ai choisie, que j'ai sélectionnée. Alors, il y avait également la semaine dernière ou la semaine d'avant l'événement Free People, donc qui est une marque de vêtements. Et pendant cet événement, donc, il y avait un portant sur lequel en fait on pouvait choisir la pièce que l'on allait recevoir à la maison. Beaucoup de robes avec des fleurs assez fleuries, très jolies, mais pas du tout mon style pour le coup. Mais par contre, ce qui était louable, c'était vraiment la qualité des vêtements. Ça par contre, c'était indéniable. Moi, je connaissais très peu la marque Free People, donc moi j'étais très contente qu'on m'invite justement à découvrir. Donc j'ai pu rencontrer la team. Il y avait l'équipe France, il y avait l'équipe Hollande, la team également Angleterre, et du coup c'était super sympa. Donc il a fallu parler anglais. Je comprends vraiment les grandes lignes, je vois très bien. Et puis en plus, ce qu'il y avait de chouette, c'est que la responsable, elle parlait un petit peu français de temps en temps aussi. Elle parlait super bien français, plus que moi qui parle anglais, mais on s'est très bien compris, c'était hyper sympa. J'ai croisé ben, des influenceuses que vous connaissez certainement et qui ont dû faire aussi des retours sur cette soirée Free People. Voilà, moi j'y étais tranquillement, je suis restée dans mon coin, j'ai discuté un petit peu et j'ai choisi cette très jolie jupe qui ne paye pas de mine comme ça, en soie bleu ciel, donc pour changer un petit peu. Et ce qu'il y avait vraiment de très joli, c'est les fentes en fait sur le côté. Elles ne sont pas ouvertes, en fait elles sont comme ça à dentelle, les fentes sur le côté. En noir, elle était encore plus belle. Mais voilà, pour l'été, j'avais envie de sortir un petit peu plus de ma zone de confort. Donc j'ai choisi celle-ci que je trouve magnifique. Je suis très contente de l'avoir choisie, je la trouve très belle et je trouve qu'elle a un très joli
retomber. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les petits close-up. Vous savez, toutes les petites images que j'ai intégrées dans le vlog par-ci par-là pour vous montrer mieux les produits. Voilà, toutes les images que je vous mets sur le, soit sur le côté, soit en plein écran. Je vais faire ça. Ensuite, je vais baisser les stores, enfin, histoire qu'il n'y ait que le petit vent qui passe parce qu'il commence à faire bien, bien chaud. Et je vais lancer une machine, je filmerai la journée de demain, ça peut être sympa, histoire de vous poster 2 jours de vlog dans cette semaine pour rattraper la vidéo que je n'ai pas faite la semaine dernière. Et voilà, bah écoutez, si vous avez envie de voir des choses en particulier, surtout n'hésitez pas, j'ai envie de tenter une recette que j'ai vue sur TikTok je crois ou sur Instagram, je sais plus, en tout cas je l'ai enregistrée, donc c'est l'un ou l'autre, et j'ai vraiment envie qu'on la tente demain matin. Donc on va se faire ça demain matin, j'irai faire les courses exprès, j'attends juste qu'il fasse moins chaud encore une fois. On se tente ça, on goûte, on va voir ma pote l'après-midi, etc. Voilà, on passe une petite journée encore ensemble demain. Je pense que ça peut être hyper sympa. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Salut !